Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un petit coliseum avec mon Yop seulement. Donc là je suis avec un Stadida et un Eka Flip, donc je suis en solo queue cette fois-ci, enfin je suis seul à jouer. Parce que j'ai pas de quoi stuffer mes autres comptes PVP, donc un seul compte. Donc là je me demande où est-ce que je vais me placer, là je suis bien mais l'Enyaipsa va sûrement bouger, j'aimerais bien être avec l'Enyaipsa. J'aimerais bien être aussi avec mes potes parce que bon ça serait problématique de pas être avec eux. Donc là c'est moi qui commence, donc j'aimerais bien commencer sur l'Enyaipsa. Voilà, je suis bien, je pense. Faut juste que le SRAM me nique pas mon ini. Ok, il m'a pas niqué mon ini. Ok, bon, bah je vais commencer par envoyer un petit peu de pression sur la Nirita. Et une petite destin lancée. Parce que le destin, ça peut faire très mal quand il y a de la. Quand il y a un petit peu de. Ah, tiens, je suis en anglais. Bon, c'est mon premier combat depuis 2 mois. 2, 3 mois. 3 mois. Non, 2 mois. Autant pour moi. Donc je suis pas sûr que mon niveau soit au top. On va voir. Et je sais même plus. Je sais pas s'il y a eu des changements. Il se paraît qu'il y a une mage P.K. Ça je sais pas. J'y connais pas grand chose. Donc là on a bien découpé les Nirypsa quand même. Avec ce gros coup d'épée bien cessé. Donc ça fait mal. Le Nirypsa, il va devoir se casser très loin. Très très loin. Sinon on va finir de le découper en morceaux là. Zone top bluff, d'accord. Bon, là par contre, ce qui va être chiant, c'est que le SRAM va me pousser très loin. Donc, bon, là il s'est. Ouais, il pouvait pas. Ok. Il pouvait pas donner des PA à l'un de ses alliés sans donner des PA à nous. Donc, il a préféré les garder. Donc, là il s'est prévent et recon. Donc, là ça va être un peu chiant de l'attaquer. Je sais pas trop qui je vais taper du coup. Là, ils sont sur le sacré. Bah, il faudrait bien de taper le sacré, je pense. Du coup. De toute façon, faut taper. Hein. Ouais, bon, c'est un sadi, ouais, c'est vrai. Il fait bien aussi de balancer ses conneries. Ça fait toujours du bien. Il ferait bien aussi de se détacler aussi. D'ailleurs, pourquoi les Kaflip il s'est détaclé? Je sais pas pourquoi. Il s'est placé là, les Kaflip. Ah oui, ouais, bon, il tacle bien le sacré, donc d'accord. Allez hop, une petite folle qui enlève des PA. Une petite surpuissante qui fait chier tout le monde. Une petite gonflable qui nous aide bien. Bon là le SRAM il va m'envoyer très très loin et il va sûrement me taper moi ou l'Eka Flip, je sais pas. Je sais pas qui vont focus parce que moi j'ai quand même le plus de PV. Là ils ont pas de debuff quand même donc je ferais bien de balancer mes vitalités, ça va sûrement me servir s'ils me focus. Ouais. Ok, ça fait mal. Ok. 800, oula, ça sent le full terre là. Oh non, pas l'invisible d'autrui. Ça c'est bien chiant par contre. Ok, il la fire très loin, sûrement. Bon, moi je vais aller sur le sacré, il n'y a pas d'autre solution, donc on va taper le sacré. Hein. Bon. Ouais, bon là, j'envoie deux pressions parce que la pression, ça fait du bien. J'aurais peut-être dû blanc. Oh non, non, il est terre, mince, là j'ai fait une connerie. Je me suis très très mal placé. C'est horrible de ma part. Mais bon, je voulais les aider. Mais c'était quand même très horrible de ma part. Oh non, non. Oh la roulette force. Où ça va piquer ça? La roulette force. Il est sérieux? Ouh. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal pour nous. Enfin pour eux, mais pour nous aussi ça va faire mal. Bon là, ils se donnent des bons du félin, mais ça sert à rien. Je peux pas détecter. Je pense qu'il faudrait déraciner le sacré pendant qu'on peut là. Mais l'Inaipsa elle va sûrement soigner là. Ok, non, non, l'Inaipsa soigne pas du tout. Ouh, il pique. Ça pique par là quand même. Ouh là là, ça pique. Ça pique toujours autant ce jeu. Par contre là, il y a quelqu'un qui va mourir autour de SRAM à mon avis. C'est l'Eka qui va y passer. Encore qu'il a 28%. Oh, je sais pas. Ouais, mais avec la roulette 400 force, si, ça passe. Hein. Il a quand même pas. Oh, 11. 2 AM, une sournoiserie, ça passe. Je pense que l'Eka est cuit. Si. Mais à mon avis, le sacré aussi il est cuit. Ouais, il est cuit là. Définitivement. Il a aucune chance de survivre après mon tour. Oh là là, ouais, il est cuit. Après, je vais rush sur le nid. J'ai pas mal de PV. Non, pas le sacré. Pourquoi tu rentres le sacré toi? Ah, un petit peu de soin, ça fait du bien. Mais là, ça va faire très très mal là.
Là c'est un gros colis rush, ça c'est bien ce que j'aime, c'est bien. Bon là il n'y a plus d'écart. Boum boum boum. Qu'est-ce qu'il attend? Il a peut-être une belle chasse et il hésite. Bon il a pas hésité très longtemps. Bon là. Voilà. J'avais dit le combo qui achève. Ok, bon là c'est la puissance avant. Ok, je lag. Ouf. Bon, j'ai le temps de balancer mon épée du destin. Ouïouïouï, ça va piquer là. Ça va piquer et c'est pas bon ça. Je sais pas si c'est moi qui lag à chaque fois, donc ça me perturbe ça, parce que je lag beaucoup, énormément, énormément, énormément. Ou si c'est eux qui jouent lentement, donc c'est parfois assez dérangeant. Bon là. Là je pense qu'on est cuit là. On tape pas assez, on tape moins que. Ouh là là, encore que. Encore que. Mais bon là. Ça va être très compliqué quand même. Ah oui, il a sacrifié. Je sais pas ce qu'elle fait. Je sais plus depuis le changement. Je la connais plus, cette sacrifiée. Mais je sais pas ce qu'elle a à faire là. Bon, l'Inéripsa, là, je vais l'achever. J'ai encore ma précipitation, donc le SRAM, je sais pas ce qu'il va faire. Mais à mon avis, il peut pas sauver l'Inéripsa. Ouh, c'est bien, ça. Ouh, la, ah, la sacrifiée, elle tacle. Ah bon. Ah, d'accord. Ah ouais, bah c'est bien, ça lui coûte une AM, ça fait très très... Ça coûte très cher, une AM. Bon, là, j'ai utilisé la précipitation parce que j'ai puissance ce tour-ci. Et j'aurai plus puissance le tour prochain, donc... On optimise les dommages. Donc je l'ai pas dit, mais mon stuff c'est une strigide comme d'hab. Enfin c'est le stuff de d'habitude, je l'ai pas trop changé. J'ai juste des items bien FM, donc là j'ai des résistances critiques même, j'ai pas de malus, j'ai des résistances critiques. Donc là je sais pas ce qu'il fait. Ok. Je connais pas ce clavier, donc je me suis pas encore habitué au raccourci. Ok. Bon là j'avais pas trop d'autre choix pour l'achever, donc ça m'a un peu saoulé là de devoir utiliser coupé, mais c'est pas grave parce que là avec Super Sadie qui arrive, oh, ouh là là ça pique, ouh que ça pique, j'aime bien les colis qui piquent comme ça. Bon, j'espère que je vais pas laguer au dernier moment, ça serait très problématique. Mais là, ça devrait aller, je pense. Quand même. Allez. Bon, il y a que mon voile qui me parle, j'ai pas d'amis. Ce canal clignotait, donc je pensais que j'avais des amis, mais j'ai pas d'amis, donc c'est un peu triste. Ok. Bon, ça va être la fin. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y avait beaucoup de gens, je pense, qui regardaient pas trop mes vidéos PM et qui aimaient bien les vidéos PVP, qui se plaignaient de pas avoir de PVP. Donc en voilà une. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en faire d'autres. Et à la prochaine. Die. Die. Bon. Là je fais pas attendre parce que je lag parfois, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Voilà. Voilà pour ce premier Coliseum, ou je sais pas s'il y en aura d'autres. Et à une prochaine, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires comme d'habitude.